Good morning, allez Yiden, les suisses aujourd'hui le Nishmat Avram Chayin Orbe Ben Fortune Mazal et Yedida Batester. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions Maserhet Tumura Per Yedalet Mishnah Dalet. Amafrish Chatato Vaarei Baalat Mum Mochra Veyavi Bedamea Acheret. Rabbi Elazar Ber Shimon Omer Im Karva Ashnia Ad Shelo Nishchata Rishona Tamut Shekvar Kipru Abealim. On n'a qu'à traduire directement toute la Mishnah, puis après on expliquera un petit peu, notion que vous connaissez essentiellement à la base, avec un petit détail de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, on traduit tout de suite. Amafrish Khatato, celui qui prélève une brebis pour en faire un korban khatat, ou une chèvre, un peu le deux, qui se bat au Seira. Et il s'avère qu'elle a eu un défaut ensuite. Elle a eu la lèvre incisée, des dukin shebaïn, des petits défauts dans l'œil, dans le nez, où vous voulez. Et donc on ne peut plus en faire un korban. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors la Mishnah m'enseigne, eh bien, Mochra, Veyavi Bedamea Acheret. Il faudra la vendre, et avec l'argent que tu récupères, tu apporteras un autre Korban Khatat. Par contre, c'est déjà écrit entre les lignes, si toutefois, tu pouvais pas, elle a eu un défaut, bon. Mais au lieu d'utiliser son argent à elle, tu es parti chercher un autre animal, une autre brebis, pour en faire un Korban Khatat. Alors là, ça, on va tomber dans le problème de Khatat Shekipru Bealea. Le Korban Khatat, ouais, vous rappelez les 5 Khatat qu'on doit mourir, le même principe qu'on expliquait hier, qu'elle a été dépréciée complètement, parce que elle-même, elle devait être Korban, alors il est vrai qu'après elle a eu un défaut, au moins sa valeur, c'est le Korban, il doit venir par sa valeur, et qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, bon toi, reste de côté, on va aller chercher une autre chèvre, une autre brebis, pour en faire un Korban Khatat, donc elle a été repoussée, dénigrée. Dans ce cas-là, il faudra la faire mourir. D'accord? C'est écrit entre les lignes. Donc, le cas de la Mishnah, c'est que tu récupères son argent pour en faire un korban khatat. Ok? Maintenant, sur ça vient Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon et il m'apprend quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon omer. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dit Im karva ashniya. Si toutefois, donc, tu as vendu le korban khatat, tu as récupéré l'argent, tu es parti acheter un deuxième korban khatat avec cette valeur. Im karva shniya, si toutefois tu as fait en korban la deuxième, ad shelo nishchata rishona, avant que la première ait été égorgée, qu'on lui ait fait la shrita pour être consommée par le propriétaire qui l'a acheté, eh bien tamut, il faudra la faire mourir. Pourquoi? Shekvar kipru abealim, car le propriétaire de cet animal a déjà eu sa kapara. Il dit quelque chose de très étonnant, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Et on va l'expliquer, c'est pas tellement. Regardez, j'ai bien pris le cas implicite de la Reisha, nous disait comme ça, tu sais, elle, selon le principe qu'on expliquait hier, qu'il faut pas déprécier le Corban. Il est censé être lui le Corban, alors il doit être lui le Corban. Il a eu un défaut, tu prends son argent à lui, tu amènes un Corban. Mais il n'est pas question que tu vas prendre quelqu'un d'autre pour faire le Corban et lui il va se retrouver comme ça, et qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Il a perdu tout son. Il devait avoir ce haut rang de devenir un korban khatat et il a été complètement déprécié. Il faudra le faire mourir. Ça, c'est la règle. Donc, du coup, Tanakama, il a dit mince, t'as récupéré l'argent. Alors, ça y est, tu lui as retiré la gdoucha du premier. Donc, tu as cet argent-là. Maintenant, c'est lui qui est le korban khatat. L'animal lui-même, ça y est, il a perdu sa gdoucha. Et quand il a eu le défaut que tu l'as racheté, il a perdu sa gdoucha. Elle est passée sur l'argent. Avec l'argent, tu peux acheter un korban. Les autres Bereshon, il dit pas du tout. C'est vrai que tu as réussi à faire passer l'argent sur. La Gdoucha sur l'argent, mais sache que lui aussi, il a quand même gardé encore un petit reste de Gdoucha. Si toutefois, tu vas utiliser sa valeur même pour en faire un autre Korban, et lui, il va rester là comme ça, alors là, de nouveau, tu l'as déprécié complètement, il a perdu tout son... Même lui, il ne pourra même plus être consommé, même par le propriétaire, c'est de la folie, parce que cette histoire, elle s'est passée chez mon voisin. Et mon voisin, il m'a vendu un animal. Donc, je l'ai acheté l'animal pour le manger. J'ai prévu de le manger Shabbat. Le Chacham, il est parti faire son Korban Khatat le jeudi. Donc mon pauvre animal, en fait, il a, au Beth Amikdash là-bas, il a eu la honte de sa vie, en fait, il a été complètement déprécié, parce que on apporte un autre korban à sa place, donc ça y est, selon Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il reste encore un petit reste de gdoucha dans ce korban. Parce qu'en fait, même lorsqu'on rachète le korban, c'est une notion justement qu'on a déjà évoquée, que même lorsqu'on rachète la gdoucha d'un korban, l'animal, il garde quand même un reste de gdoucha du korban lui-même. La preuve en est que la Torah m'a interdit de l'utiliser pour travailler, et de le tondre pour récupérer sa laine, de l'utiliser pour son lait. J'ai pas le droit, s'il meurt, j'ai pas le droit de le donner à manger au chien. C'est juste que la Torah m'a dit, tu sais, maintenant, puisqu'il a eu un défaut, que tu as retiré la gdoucha, tu l'as fait passer sur quelqu'un d'autre, ce
résidu de Corban, tu auras le droit d'envie de lui faire la shrita et de le manger. Mais il garde un semblant de Kdusha au point où, selon Rabbi Elazar ben Reb Shimon, la viande elle est devenue interdite à la consommation, il faudra de nouveau le faire mourir. Sauf si j'ai fait la shrita de cet animal avant que l'on apporte un corban avec sa contre-valeur. Que dans ce cas-là, ça y est, quand j'ai fait la shrita pour le moment, lui, la valeur elle est passée ailleurs, la Torah m'a donné la permission de le manger, je l'ai mangé. Après, quand tu vas apporter le corban, il n'y aura plus de rapport avec la viande qui a été consommée. Quoi. C'est devenu de la viande, c'est plus un animal, il n'y a plus d'animal qui a été déprécié. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Tzlacha Kol Tov. C'est là.